Et nous sommes de retour. Après la course principale d'hier, les 8 meilleurs pilotes ont été inversés sur la grille de départ. Il va y avoir de l'action dans l'épreuve du jour, la course de sprint. Je ne suis pas le seul aujourd'hui à attendre impatiemment le départ de la course. Mon ami et ex-champion de GP2, Davide Valsecchi, assis à côté de moi, trépigne déjà sur le bord de sa chaise en attendant le début de l'épreuve. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Alex, ça va très bien, merci. Et effectivement, j'attends le départ avec impatience. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, nous allons avoir droit à une course exceptionnelle. Génial, nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end, tu as assuré. Victoire amplement méritée pour Dams après une course d'anthologie. D'après vous, Davide, à quoi peut-on attribuer cette victoire ? Bien que toutes les F2 ont les mêmes caractéristiques, le gagnant avait vraiment l'air plus à l'aise que les autres. Je pense qu'il a réussi à mettre leurs pneus à température plus vite et à s'adapter aux conditions de la piste. On avait l'impression que c'était facile pour lui aujourd'hui. Dams est une autre écurie avec une longue histoire derrière elle et qui nous vient d'un des berceaux du sport automobile près du Mans. Ils ont encore une fois montré leur force sur le circuit avec cette nouvelle victoire. Voyons à quoi ressemble le classement des pilotes. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? C'est pas un choix facile, mais je dirais Marcus Armstrong. Il a tout donné aujourd'hui et ses efforts ont payé. Voyons ce qui se passe au classement des écuries. Univirtuosi creuse l'écart au sommet du classement. Dams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après ce rush d'adrénaline, respirez et détendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à très bientôt pour la prochaine course.